Arrêtez-vous, monsieur, arrêtez-vous. Mais bon, mon copain, descendez, il est pas bien là-bas, il est pas bien. Non, non, ça m'intéresse pas. J'ai commencé à lui dire je vais l'appeler, mais j'ai toujours ma position semi-passive. Position semi-passive, c'est ça normalement, mais ça peut être ça aussi, hein, puisque c'est sur le côté. De là, il me donne un premier coup de poing, je protège là. Je bloque, et au troisième, je viens frapper, et là, il est en pied. Et je repars dans l'autre sens, regardez, je tourne, et je l'amène ici. Donc soit je tape le pôle, soit c'est la tête. Puis je repousse. Et je m'en vais. Un kilomètre ou deux kilomètres plus loin, je m'arrête. Je téléphone à la police. On s'est arrêté sur le bord d'une petite aire d'autoroute très calme, il n'y a personne. Moi j'aime bien Blablacar, c'est super, et bien ta bagnole, c'est à toi ta bagnole. Ouais, c'est à moi. Ouais, c'est à toi. Et tu t'arrêtes tout de suite là-bas parce que... Doucement, donc je suis ici, simplement je recule la tête, je tourne. Quand je tourne, tout de suite après je viens taper. En même temps je fais cette clé, là il faut la faire la clé. Vous venez frapper ici. Vous refrappez plusieurs fois, jusqu'à temps qu'il tombe dans les pommes. Avec le manche. Avec le manche, hein. Je ne le tue pas. Hein. S'il réagissait mal et qu'il vienne mettre tout le corps là, regardez. Je le tue moi-même. Ah, donc c'est super dangereux. Là, vous êtes dans une phase super dangereuse. Donc là, je frappe jusqu'à temps qu'il tombe dans les pommes. De là, il y a deux écoles. Il y a celle qui dit la plus rapide. On passe la main, on ouvre la portière, on le repousse. Moi, je n'y adhère pas parce que quand j'ai fait ça, il est tombé dans les pommes, effectivement, je l'ai senti. Mais quand je passe ici, peut-être qu'il va avoir un sursaut. Donc, je préfère la deuxième école. Je garde mon couteau, je passe de l'autre côté, je récupère les clés. Allez, tu sors de là.